Bonjour, bonjour les gars, comment ça va? J'espère vous allez tous très bien. Bon les gars, avant de commencer la vidéo, j'ai envie de faire un nouveau concours de 2 millions de karma à gagner sur le serveur Telesia à la place de 1 million. Donc forcément, ça sera 60 likes à la place de 30 likes. Franchement les gars, 60 likes c'est pas beaucoup. On peut le faire facilement et tu peux gagner 2 millions de karma. Franchement les gars, un abonnement d'une semaine, il te reste genre 1 million 3 1 million 2. Franchement très très bonne affaire. Donc pour participer c'est super simple, abonne toi sur la chaîne, likez la vidéo et mettez votre nom de votre personnage dans les commentaires les gars. Comme d'habitude on change rien, sauf tu peux gagner 2 millions de karma à la place de 1 million. Donc voilà. Allez, maintenant on passe au astuce karma. Ça dépend de peut-être de brisage, peut-être. Allez, on se retrouve. Bonsoir, bonsoir les gars, comment ça va? J'espère vous allez tous très bien. Bon les gars, on est sur le serveur Draconeros. Je vous rappelle que hier les gars, on a OP quelques métiers. Je crois on a OP le métier corps dommage. On a fait les Abrabot FM full force les gars, over force pour les panoplies potes. On a fait je crois une ceinture les gars qui donne de la sagesse. Donc je viens de connecter et on a vendu pour presque 600 000 karma les gars. Putain, 600 000 karma, quel plaisir. Franchement, quel plaisir, la surprise les gars. On a vendu quoi? On a vendu... Est-ce qu'on a... Les Abrabot les gars. Putain, juste regardez les gars, les Abrabot. J'ai vendu 2 à 60 000 karma. 60 000 karma les gars. Juste regardez combien le craft coûte les gars. 10 000, ça coûte 11 000 karma, 12 000 karma, pardon, gros max. Donc on a vendu pour 120 000 karma les deux. On a vendu Blob Coco 50 000 karma. La Dilus, les gars, la ceinture qui donne de la sagesse, ça part très très bien, les gars. Une petite over sagesse. Donc on a vendu, les gars, les bottes Tarsé. Et ça fait vraiment plaisir. Donc on a vendu pas mal les gars. Je crois on a vendu genre 6 ou 7. Les bottes Tarsé, on a vendu quelques-unes. Enfin quelques-unes. On a vendu 6. Les Gulliver aussi. On a vendu les Gulliver. Donc franchement, quel plaisir les gars. Vraiment quel plaisir. On va juste checker l'HDV les gars. On va juste checker l'HDV. On a combien de trucs? Il me restait 600 000 karma. Il me restait 600 000. Il me restait 3 Abrabot. Donc, est-ce que les prix sont ok? Ça, c'est les miens, les gars. Ça, c'est les miens. Donc, il me restait 3. Les prix sont ok. Franchement, les prix sont ok. 250 000 karma. Regardez, c'est abusé. Le mec abuse vraiment. Donc, il me restait 3 bouts Tarsé, les gars. Est-ce que les prix sont ok? Les prix. Normalement, c'est ok. Hein, si je dis pas de bêtises. 24,999. Voilà. Les prix sont ok, les gars. Donc, on va pas changer. Les Amo Blob Coco, on s'en fout un petit peu. Les Blob Anno Indigo. Est-ce que c'est toujours ok? 105. Normalement, c'est ok. Les Gulliver, est-ce qu'il me restait rien? Hein, il me restait. Ah, il me restait 3. 3 ceintures les gars. Ah merde les gars, les gens baissent les prix. Non, il y a seulement celle là les gars à 18 000 karma, 32 de sagesse. Ok, ça va partir. Les prix sont ok. Il y a juste celle là aussi les gars, ça va partir. Donc je vais pas changer les prix. Il me restait 3, je vais pas changer le prix. Est-ce que les Gulliver sont ok? Je crois c'est ok pour les Gulliver. On a 788, mais ça va partir les gars, je vais pas changer de prix pour celle là donc on est bon, je crois les gars, on est bon. Je vais faire quoi maintenant les gars? On va déjà récupérer les gamins. D'abord on va récupérer les gamins, après on verra. Donc je n'ai les gars pour 600 000 gamins apparemment. Ça fait plaisir les gars, ça fait vraiment plaisir.
On a vendu pas mal de trucs, donc franchement ça fait plaisir. Je suis niveau 35, les gars. Je suis niveau 35. J'ai commencé à zéro, j'avais rien. J'avais vraiment, vraiment rien, les gars. De toute façon, il y a la série, tu peux checker la playlist sur YouTube. Donc, métier, on est quoi comme métier? Forgeron, cordon magique 53. Donc, on peut checker les blocs, les gars. On peut checker les blocs. Est-ce que c'est rentable ou pas? Donc, bijoutier, cordonnier. Ok, allez les gars, on va checker les blocs. Est-ce que c'est rentable ou pas? Je pense pas, hein, puisqu'il n'y a pas de la PO, les gars. Il n'y a pas de PM. Donc, je pense que c'est pas trop rentable si je dis pas de bêtises. Donc, tailleur, on fait un cordonnier, ceinture, on va écrire blop. Blop, ok. Les bottes, je crois, ils sont pas rentables, les gars. Enfin, elles sont pas rentables. De toute façon, on va checker. 30 000 quand maintenant, c'est pas ouf, ouf, les gars. C'est vraiment pas ouf, ouf. Les blops griottes, est-ce que c'est pareil? Je crois que c'est pareil, hein. Voilà. C'est pas trop trop rentable, les gars. C'est vraiment de la merde. Les indigo, est-ce que c'est pareil? Voilà, c'est pareil. Ça coûte 20 000 quand même, les gars. C'est vraiment de la merde. Est-ce que les ceintures? Je crois que c'est pareil, hein. Je crois, les gars, c'est pareil. Ah bon? Voilà, 20. Non, c'est pas rentable, les gars. On va pas faire ça. Hein. On va pas faire ça. Donc, je vais checker juste les blobs légales, les blobs coco et tout. Est-ce que c'est rentable à faire? 45, 55. Voilà, 50 000 kama. Le craft coûte combien? Le craft coûte genre 2 000 kama. Plus la portée, ça coûte combien la portée? La portée coûte 7 000 kama, donc on a en tout 10 000 kama. Donc on va faire genre, si je craft 2, on va faire genre 80 000 de B9. Ok, les gars, ok, on va juste checker les autres. Blob en griotte. Les griottes sont ok, les gars. Les griottes sont ok. Est-ce que je n'ai quoi en HDV, les gars? Il me restait quoi? Il me restait indigo. Ok, il me restait indigo. Donc je vais crafter deux cocos, les gars. Blop. Je vais crafter deux cocos. Blop. Ok, je vais crafter deux cocos. Je vais crafter deux griottes. Et est-ce que les rainettes sont rentables? Non, les rainettes sont pas rentables. Donc je vais crafter deux cocos et deux griottes. Et je crafterai quoi d'autre, les gars? Attendez, on va checker. Ceinture, on a quoi? On n'a pas grand-chose. Pour les gars, pour le forgeron, on a quoi d'intéressant? On a quelle arme, genre, qui part très très bien? Je ne sais pas. Je ne sais clairement pas. Peut-être les dagues or folle, je ne sais pas quoi. Niveau 45, pourquoi pas, les gars? On va checker rapidement. Or folle, est-ce que c'est rentable à faire ou pas? Déjà, ça coûte 15 000 kamas. Non, c'est pas rentable du tout, les gars. C'est pas rentable du tout. On a pour 10 000 kamas plus les gars PM. Ça coûte 26 000 kamas, donc 35. Non, c'est pas rentable. Bon, les gars, pour le moment, je vais crafter 4 anneaux de blob, 2 cocos et 2 griottes. Et on se retrouve juste après pour la femme. Après, on va faire. On va checker quoi faire. Hein. On va pas faire seulement les blobs, les gars. Bien sûr. Donc, voilà, les gars, je vais crafter les 2, enfin les 4 blobs. Et on se retrouve juste après. Voilà les gars, c'est bon pour les ressources. J'ai tout acheté pour crafter les 4 blobs. Bon les gars, j'ai envie en vrai de faire quelques brisages PM les gars. Franchement, j'ai vraiment envie de faire quelques brisages. Donc on va affaire les blobs les gars rapidement. Après on va faire quelques brisages PM les gars. J'ai envie de faire du brisage. Bon.
Sur le serveur Draconeros, les gars, j'ai pas fait beaucoup de brisages, seulement une fois ou deux fois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, les gars, pour le craft, il me restait 600 000 kamas, donc c'est vraiment ok pour faire quelques brisages. Hein. Donc voilà, allez, on va affaire les 4 anneaux rapidement, les gars, vraiment rapidement. Après, on check quelques bots, les gars, qui sont payés à crafter des bots BL. Franchement, il y en a beaucoup, les gars, malgré. Genre on va pas avoir beaucoup de co-op, mais quand même on va choper quelques runes PM, pardon. Donc voilà, premièrement les gars, c'est pour OP le métier cordonnier. Deuxièmement, on peut sûrement gratter quelques kamas, les gars. Donc on va OP le métier cordonnier gratuitement. Vous allez voir, de toute façon, on va runes. Est-ce que j'ai tous les runes nécessaires pour FM les 4, la POG 4, vitalité, non, je n'ai pas, je dois acheter son, l'agilité et le feu, on est bon les gars, on est bon, le soin, je n'ai pas, je vais acheter son soin les gars et son vitalité, on va compter tout ça les gars à la fin. Oh, ça coûte cher, hein. Ça coûte super cher, mais c'est pas grave. Donc vitalité, son, 40 000 kamas, putain, c'est cher. Hein. Donc, on a 517 000 kamas. Ok, c'est pas grave. On va commencer par les cocos, les gars, directement. Coco. Allez, on va commencer par les griottes. Rien de spécial, les gars, comme d'habitude. On va spammer les runes de soins. Pas d'intelligence. On va juste remettre quelques runes Intel. Ok, 12. Maintenant on va mettre ça. Ok, le soin 15. Allez, saute la portée. Échec, putain, c'est chiant, hein. Ça vaut pas sauter les gars, mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas les gars, pardon. Ça va sauter rapidement. Allez, 15, ok. Bon, le soin, ok. Mais putain, saute. Allez. Enfin, les gars, enfin. Donc, je vais mettre 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, allez, 12 normalement c'est ok. Donc moins 2, 51 moins 10, ça fait 41. Donc on a 39. 39. On va mettre juste ça, les gars. On va mettre 18. Non, ça coûte 1 de puits. Donc je vais mettre 18 ici. On a 39. 39 moins 18, ça fait combien? Ah merde, 39 moins 18, ça fait 21. Ok, fusionner tout. Allez, une encrite, les gars. Mais putain, j'ai pas de chance. 2. Ok, 2. Je peux mettre 2. Mais putain, c'est pas grave. Je vais mettre 7, les gars. Je vais mettre 7 maintenant. Fusionner tout. 115, ok, pas mal les gars, pas mal, franchement pas mal. 115, maintenant on va mettre la portée. Allez, pas sans crit la première fois, s'il te plaît. Non, bien sûr que non, les gars, bien sûr que non. Voilà, 115, les gars, c'est facile là, à fin. Bon, les gars, je pense je vais faire une pause, les gars, sinon ça sera répétitif. T'as vu comment on a fait, les gars, rien de spécial, juste spam les runes. Les runes du soin pour sauter la portée. Après, tu mets, je vous conseille de mettre les 5 d'abord. Mettez 18 pour avoir genre les 80. Un truc comme ça pour avoir les 80 de vitalité. Après, tu mets le reste de puits, les gars. Tu mets les runes pavées comme je fais exactement, les gars. Comme j'ai fait maintenant exactement. Donc voilà, je vais pause la vidéo, les gars. Et on se retrouve quand je finis.
Bon les gars, donc voilà, voilà pour la FM, j'ai tout à FM, regardez celle-là les gars, à 145 vitalité, donc 2 agilité, on s'en fout un petit peu. Donc voilà les gars, j'ai fini celle-là à 115, 121 et celle-là à 110, donc voilà, des bons jets les gars, franchement des bons jets. Il me restait 500 000 kama. Allez, on va d'abord mettre tout ça en HDV, après on va crafter quelques bottes les gars. Quelques bottes qui coûtent pas cher, je peux crafter même 5-10, on verra les bottes, est-ce que sont rentables ou pas. Donc on a dit combien ça coûte les blocs et tout, les griottes ça coûte combien, 115 120, ok, 115 120, 115 120, 58, 59, 60. Non, j'en ai plus, les gars. Ok, 115, 120. Je vais le mettre à 62. Allez, je vais le mettre à 62. On s'en fout. 62. Pour celle à 145, je ne sais pas, les gars. On va checker d'abord du prix, bien sûr. 50, 58. 60, oh 65 les gars, à 150, donc je vais le mettre à 62 également, 62, et celle-là 110, normalement ça va pas coûter cher, 50, 55, on a 110, 55, bon allez je vais le mettre à 53. Voilà, donc on est bon pour les blocs. Allez les gars, on va checker quel bot on va crafter. Les bots qui coûtent genre pas cher. Ça doit être super brisé. Je connais le bot les gars. Ça coûte combien? 3000. Ça coûte 7000. Ça coûte 7000 à peu près. Donc les 10, 70000. Bon, je peux crafter 10 les gars. Je peux clairement crafter 10. Celle-là combien? Ou c'est pareil, je peux crafter 10 ici. Donc bon les gars, je vais crafter quelques bottes et on se retrouve juste après. Re les gars, donc voilà, j'ai acheté quelques ressources pour crafter quelques bottes. Voilà, on va crafter genre 4 bottes. 4 bottes. Voilà, on a celle-là, botte coffret. Les gars, ça doit être super brisé. Je connais les bottes. Voilà les bottes qu'on va briser. Donc 4 bottes. 4 bottes, donc c'est 40 bottes les gars. Je vais crafter chaque fois 10. On va opener vous 71 les gars, putain. J'étais 53. Donc on a OP 7. On a OP les gars 18 niveaux. Presque 18. Enfin 18 niveaux exactement. Donc voilà. J'avais les gars 500 000 kama, on a dépensé 250 000 kama, enfin moi, mais c'est à peu près 250 000 kama pour faire tout ça. Donc on va OP niveau combien maintenant? On a OP seulement 3 niveaux, ok, c'est normal puisque c'est niveau 53. Donc ok, les dernières bottes, on a 75, on va sûrement OP, ça c'est sûr. Voilà, voilà. Ah merde, j'ai crafté seulement une. 9. Ok les gars, on a crafté les 4 bottes. Donc on a 77 du niveau. Allez, on va briser tout ça. On a dit les gars, on a dépensé 250 000 pour faire ça. On doit être rentable les gars. On doit être rentable si je dis pas de bêtises. Enfin, je ne sais pas les gars, je ne sais pas. Sinon c'est pas grave, si on perd quelques kamas c'est pas grave, on a OP le niveau 77, donc c'est excellent les gars, c'est excellent. Donc c'est brisé. On va commencer par celle là les gars. Focus PM, bien sûr, le crap ça doit pas coûter cher hein. Voilà, ça doit 3000, 4000, bon 4500, pour les 10 c'est 400, enfin 400, 45 000 kama les 10, donc on brise 45 000 kama, on a 50 000 kama, ok, bon, on a gagné 2, donc l'essentiel les gars, on n'est pas perdant les gars, on n'est pas perdant, donc c'est excellent.
Donc on a OP le niveau gratuitement, on peut vendre les runes. Donc on est bien les gars, c'est bien. On a chopé deux runes, c'est toujours ça le prix, hein. C'est toujours ça le prix. Focus PM, celle-là c'est pareil. 3000, 4000, 5000, ça doit être 6000, un truc comme ça. J'ai la flemme de compter exactement les gars, mais ça doit être genre 6000 kama d'unité. Donc dès ça fait 60000 kama, on brise. On a pour 50000 kama, bon on a perdu 10000 kama. Franchement c'est pas grave, 10000 kama. Coef de 40%. Ok, on va faire celle-là maintenant. Ok, on va focus PM. Donc ça doit coûter combien? Ça 400. Allez, bon, rien les gars, 400. On a pour 4500. 4500, donc 45000 kama, les 10. On brise. Yes les gars, on a chopé 2, ça fait plaisir, on a 50000 kama. Donc on a presque, on a perdu 5000 kama pour l'instant les gars. On a perdu 5000 kama pour l'instant. Celle-là les gars, ça doit être super brisé, mais c'est pas grave. Si on chope 2, on est rentable, si je dis pas de bêtises. Le craft c'est combien? Ouh, ça coûte cher, hein. Ça coûte cher les gars, 7000. 7000 kama les gars, donc 70000 kama. L'idée ça doit coûter cher, 70000 kama. On brise. Et... oh putain les gars, putain, juste regardez, 2, 4, 5, 6. On a 125000 kama, donc on a gagné, on est rentable les gars, on est rentable, on a payé, enfin, on a OP le niveau 77, coordonnées gratuitement les gars. Mais putain les gars, donc on a fait 274000 kama. On a gagné quelques kama les gars, ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. Je vais mettre ça en vente. Bon les gars, je pense on va s'arrêter là, sinon ce sera trop répétitif. Je vais jouer hors caméra bien sûr, je vais OP, je vais faire je vais refaire des blocs et tout les gars, sinon ce sera répétitif. Je vais pas refaire tout ça en vidéo, ça sert à rien. Donc comme je disais les gars, je vais jouer un petit peu hors vidéo. Je vais encore OP le métier cordon magie et tout jusqu'à niveau 60. Je ne sais pas les gars, juste spam les amulettes de sagesse plus les bottes de sagesse. Forgeron, je ne sais pas. Bon, on va pas faire pour l'instant. Et voilà, les gars. Donc, je vais spammer les mêmes astuces qu'à moi pour le moment. Jusqu'à on débloque d'autres trucs. Par exemple, Geta Ardala. Pourquoi pas? Peut-être ça part, les gars. Je ne sais pas pour l'instant. On a Geta Fudala. Tout ça, les gars. Normalement, ça part si je dis pas de bêtises. Niveau 68. On a les bottes éleveur de bouffetou. Tout ça, ça doit partir les gars. Dans la prochaine vidéo, peut-être les gars, on va tout tester, ok. Donc voilà les gars pour la vidéo d'aujourd'hui. On va mettre en vente tout ça. Donc 24 8 8 8 7. Enfin, on va mettre ça par 10. 2 5 2 0 7 3. Et pour l'unité, on a 24 8 8 7. Ok les gars, donc on a 276000 kama. Donc voilà les gars pour la vidéo. N'hésitez surtout pas à abonner sur la chaîne les gars pour d'autres astuces kama, pour d'autres vidéos sympas. Et n'hésitez surtout pas à liker la vidéo pour le concours de 2 millions. Merci les gars d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à la prochaine.